Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui ont le cœur sensible, ceux qui font mention de Dieu, debout, assis ou étendus sur le côté, méditant sur la création des cieux et de la terre, parlent ainsi. Ô notre Maître, ô Allah, tu n'as pas créé ceci en vain. Gloire à toi. Que le tourment du feu de l'enfer nous soit évité grâce à ta sauvegarde. Sadaqallahu al-Azim. Sans être particulièrement exégète, je soulignerai de manière approximative et limitée, et après votre honorable permission, je soulignerai quelques aspects en rapport direct avec cet extrait coranique. Nous sommes en présence d'une séquence coranique hautement révélatrice d'intelligence, d'une intelligence particulière, bien précise, d'une vision du monde, d'une vision totale du monde, laquelle vision est bien à propos quand il s'agit de science, d'éthique et de morale. Ces trois champs, ces trois niveaux présents ici sont saisis d'un trait, ensemble, et forment un discours, certes en strate ou niveau, mais à la fin, nous découvrons, nous remarquons que ces niveaux ou ces champs sont finalement complémentaires. Ces strates ou niveaux forment une totalité, et ce n'est en vérité qu'au moment de l'analyse qu'on distingue les différentes strates. Mais à la fin, ce que nous gardons après la lecture de cet extrait coranique, c'est cette idée de totalité. Cela est à la fois révélateur de puissance, la puissance du Coran, la puissance rhétorique et philosophique du Coran. C'est aussi révélateur de beauté. Alors, dans cet extrait coranique, il est question de ceux qui invoquent Dieu, « yadhkuruna », invoquer Dieu, ou parce que la racine du verbe « dhakara » en arabe permet ceci, ceux qui se souviennent de Dieu, ceux qui ne sont pas dans l'oubli de Dieu. Ils sont les ulul albab, ils perçoivent des réalités physiques complexes. Ils perçoivent, ils voient la terre, les cieux, mais aussi et surtout le passage du temps. Ils contemplent la création et invoquent le Créateur. La création rappelle le Créateur. Car pour ces gens-là, pour ces individus, les réalités perçues ne sont que signes. Un signe, et disent le dictionnaire, qu'est-ce qu'un signe ? Le dictionnaire dit ceci, un signe c'est une chose, un phénomène perceptible ou observable, qu'on peut observer, qui indique la probabilité, la possibilité de l'existence ou de la vérité d'une chose, qui la manifeste, donc qui manifeste cette chose, qui démontre cette chose ou qui permet de prévoir cette chose. Alors, signe est la traduction de ayah, pluriel ayat. Un signe est ce qui permet d'engager un processus de connaissance. C'est grâce au signe que s'établit une connaissance, que se constitue, que commence un savoir. Donc, signe est rendu par ayah en arabe, on dit ayah pour signe, mais aussi par alama, pluriel alamat. Ayat et alamat sont des éléments qui permettent en fin de parcours d'identifier Dieu. Ils nous orientent vers Dieu. Les réalités créées conduisent à un Dieu créateur. Alors maintenant, alamun ou alamatun en arabe reprennent la racine de alima, connaître. Al-alama, c'est ce qui permet d'instituer aussi un savoir, de fonder une connaissance. J'essaie de vous sensibiliser à cette relation entre signe et alama. Donc, au fond, ce que nous appelons ayat, c'est-à-dire ces petites séquences coraniques, ce sont des composantes, des éléments composants constituant un savoir. C'est aussi en rapport avec cette idée de alima. Donc, al-alama, c'est aussi ce qui permet de délimiter un territoire,
وَضَعَ الْعَلَمَتِ poser l'alamette, c'est délimiter un territoire. La terre et les cieux sont même, sont cela même donc, ils sont quoi? Terre et cieux sont des ayat, des alamet, autrement dit, des signes. Terre et cieux ne signifient pas de manière autonome. C'est par un lieu de rattachement que terre et cieux commencent à signifier véritablement. Ce lieu de rattachement n'est autre que Dieu. Terre et cieux ne signifient pas d'eux-mêmes. C'est en rattachant, c'est en établissant le lien qui va de terre et cieux à Dieu que nous parvenons véritablement à constituer une signification et un savoir. Le champ d'épanouissement du savoir ici n'est pas réductible aux réalités perçues et immédiates. Ils ne perçoivent pas ce qui est donné, mais vont au-delà, c'est-à-dire vers ce qui est révélé à travers les signes. Il faut voir plus grand et plus large pour que le regard soit authentiquement capable de constituer un savoir crédible. Plus grand et plus large, cela signifie, dans cet extrait, cerner Dieu par le regard, non pas le cerner physiquement, mais le cerner par l'intelligence, par la pensée. Le verbe voir en français, mais dans pratiquement toutes les langues, et y compris l'arabe, le verbe voir signifie plus que voir directement. Je vois, c'est-à-dire je pense. Je vois en rêve. Donc vous voyez que c'est polysé, polysémique. Donc voir Dieu, c'est le voir finalement par l'intelligence. Dieu se donne à voir pour l'intelligence. Dieu, s'il est vu par l'intelligence, ce qu'il se veut lui-même, si vous voulez, visible par l'intelligence. Ce qui constitue une grande miséricorde, rahma. C'est en effet Dieu qui, par sa grâce et sa miséricorde, a accordé aux hommes, les Ulul Albab, la possibilité d'aller au-delà des phénomènes et de saisir l'essence, l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi al-lubbu. Lubbu shay'i, c'est ruh shay'i, c'est la partie la plus intime du phénomène de la chose, c'est aussi l'essentiel d'eux. C'est là où réside l'essentialité de quelque chose ou d'un phénomène. Donc, la possibilité d'aller au-delà des phénomènes et de saisir l'essentiel, comme je disais, le phénomène, tout phénomène est essentiel dans la mesure où il conduit à l'essentiel. Et bien sûr, l'essentiel ne peut être que Dieu. Seul Dieu est essentiel. Cet aboutissement, sans cet aboutissement, sans qu'il y ait ce passage à Dieu, cette considération de Dieu par l'intelligence, tout phénomène est dépouillé de son caractère essentiel. Les Ulul Albab participent à leur tour à cette structure essentielle. Parce qu'ils perçoivent l'essentiel, ils participent eux-mêmes de l'essentiel. Chacun d'eux devient essentiel à son tour. Ils sont les témoins heureux de la création, de l'œuvre du Créateur. Voilà pour un premier plan, toujours en rapport avec la séquence coranique de Ali Imran. C'est le plan de la constitution du savoir. Maintenant, il y a un autre plan qui est rattachable à ce plan-là, qui est le plan éthique. Donc, ce plan premier est générateur d'un plan second, un plan éthique introduit par les paroles de Ulul Albab. « Oh, notre maître, tu n'as pas créé ceci en vain. Gloire à toi. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Subhanaka faqina adhab an-nar. » Donc, il est intéressant de souligner que le Coran ne fait ici que rapporter directement la parole qui est au fond une déduction de Ulul Albab. Une déduction, c'est une opération logique. Les Ulul Albab contemplent, perçoivent, réfléchissent, ils voient Dieu derrière les signes et ils instituent cette idée que tout ceci n'est pas vain. هذا ليس باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا. C'est une déduction, c'est finalement une opération très logique.
Donc, de manière générale, le Coran nous rapporte directement, parce qu'en français, on peut rapporter de manière directe et on peut rapporter de manière indirecte. Le Coran nous rapporte directement une parole, ne la prend à la lettre de manière intégrale que sauf si elle est représentative, en quelque sorte, de la sagesse de Dieu. Une parole n'est reprise directement que si elle est digne de Dieu et digne de son livre, le Coran. Donc, je noterai aussi que l'immensité physique perçue, terre et cieux, mais si vous voulez, le déroulement du temps, le passage du temps, toute cette immensité est rendue dans l'extrait par le démonstratif, ceci, have. Donc c'est un simple démonstratif. Nous assistons finalement à la réduction de cette immensité. Au contraire, Dieu est davantage agrandi parce qu'il est appelé, parce qu'il est apostrophé. Dieu, donc, n'est pas manifesté physiquement, va tenir majoritairement la scène dans la parole de Ulul Albab. Alors, les Ulul Albab sont portés vers l'essentiel. Hein? Ils sont les maîtres du lob, ils sont Ulul Albab, ils sont le dépositaire du lob, c'est-à-dire de l'essentiel. Donc, lob ou shay'i, l'essence de quelque chose, c'est en quelque sorte ce qui est au fond de la chose, ce qui est caché. Hein? Cette dimension, si vous voulez, ésotérique. Donc, Ulul Albab sont le maître de l'ésotérique. Et Dieu se révèle à leurs yeux essence. Dieu est l'essence de cette immensité physique, de ces cieux. Donc, finalement, ils ne voient plus l'immensité, ils voient petit à petit, hein, Dieu qui est à l'origine de l'immensité. Alors, l'essentiel appelle l'essentiel. Donc, l'Albab participe de l'essentiel et Dieu est essentiel. Et finalement, la réunion de ces deux essentialités, l'essentialité de Dieu et l'essentialité de Ulul Albab par la connaissance, va en quelque sorte, si vous voulez, fonder une autre vision des choses, qui est basée sur quoi? Non pas sur les présences, parce que Dieu n'est pas présent physiquement. Il y a un phénomène de présentification, Dieu est rendu présent, malgré qu'il ne soit pas présent physiquement, et l'immensité physique qui est présente physiquement, hein, devient absence, et les Ulul Albab ne voient plus désormais que leur Dieu créateur. Finalement, les signes authentiques de la divinité, de Dieu, ce n'est plus l'immensité physique, hein, c'est sans les Ulul Albab.